Bon, attendez avant de commencer là. Il y en a un qui a pas liké et qui est pas abonné là. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Enfin bon, je suppose que dans tous ceux qui me regardent, il y en a plein qui vont bien, il y en a plein qui vont pas bien. Force à vous ceux qui vont pas bien alors. Voilà, on va rigoler. Allez, on va au casino. Alors, va-t-on gagner la Ocelot, c'est la Locust. Je crois que c'est la Locust qu'elle s'appelle. Ah, ça commence à rentrer les véhicules. Hein. Voyons voir. C'est une très belle journée aujourd'hui, je pense que... Oh! Ah, RP. Putain, je gagne plus rien. Ça fait un mois que je gagne plus rien. Ça va, Diego? Oh, m'agresse pas. Oh, j'ai cru qu'il allait m'agresser. Vas-y, pousse-toi, là. Pousse-toi. Bon, les gars, quand même, on avait 75 millions, je crois. On est à 32 millions. Hein. La descente, elle fait mal. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on se fait... Oh! Oh, non, véhicule d'export. On se fait des kiffs. Là, je pense que c'est ma Gauntlet Hellfire. Oh le bâtard, tu vas pas faire ça, non. Oh il a failli Emmerich. Oh là là, elle est moderne celle-là. Oh regarde-moi ça. Oh là là. Bon, pour commencer on va se faire un petit kiff, on va acheter une bagnole. Hein ouais. Beniz, non. Legendary Motorsport. J'en veux pas de ton 4x4 pourri. Tiens, on va trier par prix, voilà. La Jack Camélion, je l'ai déjà. Toi, il n'y a pas de... La Cheetah. Ah la Cheetah, elle est bien la Cheetah. Classique. Oh la 770, je l'ai pas acheté. Et ben voilà, on l'achète. Et elle va aller dans les pépites un peu voilà, je sais que c'est une sportive, mais elle va aller dans les pépites un peu voilà, mélangées hein. En moto, je me fais pas arnaquer, j'achète pas de moto moi. La Shotaro suffit. En quoi que, il y a la Akutsu Drag en promo quoi. Écoute, j'aime pas cette moto, mais je vais l'acheter quand même parce qu'elle est en promo. Garage de l'atelier de la suite du casino. Voilà, Legendary Motorsport. La Nightshade, elle pète aussi hein. Garage de fonction 1. Oh, je me fais kiffer. Oh, c'est trop bien de dépenser dans GTA. Attends, nous, on trie. Voilà, parce que je sais que je vais pas souvent aller chercher les véhicules pas chers. La Vaca, elle est pas mal, hein. Safari. La Lampadati Furor GT, j'ai jamais eu. Ça a l'air d'être une pépite, ma parole. Elle, ça va être là. C'est une sportive. Alors, la Infernus. Ouais, la Infernus trop classique. Là, on a acheté la Bestia GTS. J'achète. Boum. Ben ouais, ça sert à quoi d'avoir de l'argent si c'est pour jamais te faire plaisir? Hein, ouais, hein. Faut y aller hein. Oula, il y a eu une explosion là. Emmerich est passé à l'action, je vais m'occuper de lui. La Verlière, elle est bien la Verlière. Gester classique, je l'ai. Un petit XF, bof. La Viserys, la Grotti Stinger GT, elle, on l'achète. Voilà, c'est déjà pas mal. Bon attends, je vais m'occuper d'Emmerich avec une petite balle dans la tête. Voilà, il fume. Ah, il revient le mec. Oh, le bougre d'âne. Il ose revenir. T'en prends plein la gueule et t'oses revenir. Oh, je l'ai atomisé son avion. Oh, dans 20 secondes, le mec se crache. Eh, je vois un tout petit point. Il y a moyen. Voilà. Là, Hellfire, elle envoie du lourd, elle est trop belle. Et pourtant, oh, il a quoi lui? Oh, tu l'as atomisé. Ah, bah, tu me fais de la peine dans ton véhicule. Vas-y. Non, non, mais moi. Oui, si tu veux. Tu veux monter? Je vais te montrer ce que c'est qu'un pro-pilote. Wouh! Oh, le bâtard, évidemment. Oh, le bâtard. Oh, je vais aller dans mon garage inspecter un petit peu là. Attention au jump. Ouh. Attention là, ça va. Olé. Olé l'artiste. Voilà, chauffeur rouge, je suis arrêté là. Il a dit wow. Il a trouvé ça excellent. Alors,
On va se diriger vers... j'ai dit vers ma Maze Bank. Hein. Voilà, il se faisait chier. C'est pas très passionnant quand c'est pas toi qui conduis. Bam! Garage de fonction 1. Alors, c'est pas vraiment ce garage qui m'intéresse parce que celui-là, c'est vraiment le bordel pour le moment. Ouais, vous voyez, il y a un peu de tout. C'est vraiment anarchique. Je vais juste ranger ma Hellfire. Voilà. C'est quoi celle-là? La Singer GT. Tauros. La Tauros, on va la garder. La T20, on va la monter là-haut. La Shafter, elle a rien à foutre là. La Nightshade. Enfin, j'ai encore tout ça à tuner, ça va me coûter un bras. La Nightshade, on la met là. Y a plus de gros cylindrés là. La Imorgon. Voilà. Tiens, on va custom la Nightshade. Oh, je la ferai bien jaune celle-là. Putain, comme elle est belle. Juste comme ça. Ah, par contre. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas encore amélioré. Oh là, lui il va me faire un. Ouais. Ça va pas la tête. Par contre, elle est veau. C'est un veau. Ça, c'est une vraie grosse cylindrée, quoi. Waouh. Donc, l'intérieur. Oh, j'ai éclaté le carreau. On va la faire jaune. En jaune, elle est magnifique. Alors, peinture, il y a des motifs ou pas? Non, il n'y a pas de motifs. Peinture, couleur, on va mettre du jaune. Jaune racing, jaune pâle. Non, on va mettre du jaune jaune. Voilà. Couleur secondaire, métallisée, noir. Et on va enlever, je suppose qu'il y a un nacré. On va la nacrer noir pour que le noir ressorte mieux. Voilà. Voilà, là, elle est trop belle. Ok, bon, comme d'hab, vitre à fond. Enfin, vitre limousine. Turbo à fond, transmission à fond, suspension à fond. Voilà, frein à fond et moteur à fond. Voilà, et maintenant on peut se faire plaisir. Pare-choc avant, spoiler élargi, pourquoi pas, je le mets. Pare-choc arrière, non, ça je mets pas, j'aime pas. Échappement latéral, moi je préfère cela. Calandre, oh, celle-là elle est plus jolie, la chromée. Voilà, capot sport, capot machin. Ah, j'aime bien celui-là. Prise d'air capot, celui-là j'aime bien. Éclairage, on s'en tape. Arceau de sécurité, non, ça fait moche. Vendre aileron. Ah, il n'y a que des ailerons spécifiques. Hein. Celui-là, il est pas mal, aileron bas. Voilà. Suspension, ouais, c'est fait. Juste les roues. Les jantes, on va les garder comme ça, même si elles sont pas ouf. Il y a moyen de faire mieux, je pense. Non, on va lui mettre. Mais j'aime bien garder les jantes d'origine parce que parfois, on les retrouve pas. Pas du tout, genre dans les menus. Ça coûte moins cher, mais quelquefois il y a des jantes d'origine qui sont super bien. Ben voilà, c'est la Nightshade que je voulais. C'était pas compliqué, c'était rapide. Hein. C'est un petit bijou, elle est magnifique. Regardez-moi ça, avec le coucher de soleil là. Tin 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 tin. Ah, comment elle est belle. Allez, on va la ranger. Parce que moi, c'est pas ce que je voulais faire à la base. J'avais pas prévu de custom la Nightshade. Oh, il y a une prime, j'ai la flemme. Oh, le bâtard, il va tuer la boîte de nuit, fils de pute. Et je peux rien faire. Cours, propubec. Oh, le bâtard, ça se fait pas. Intervention d'élite. Intervention d'élite. Espèce d'enfoiré, va. Je le vois pas. Merde. Touché. On va le faire fumer. Ah, il attaque. Oh là là là, je peux rien faire. Oh, il a tué le ballon, quoi. Oh, lui, je le retiens. C'est Bosca. Oh bah, Bosca, je te retiens, toi. La flemme de sortir mon laser pour le moment. Une drogue. Garage de fonction 1. Et là, c'est là qu'on nous présente la voiture sous un angle avec des caméras et tout. Vas-y, montre. Voilà, ça, on aime. Magie. Wow, la plaque tournante et tout, waouh, exceptionnel. Ok, bon bah vous voyez, le garage 1 est entamé, il commence bien. T'as vu le lourd que ça va être? Bon, après c'est le bordel, hein. C'est 1, 2, 3, puis après faut pas regarder. Hein. Bon, moi c'était le garage 3 qui m'intéressait. Oula, mutuel. Oula, le trou que j'aime pas. Ah, y a tout ça qui était pété, quoi. Boum, c'est propre. Ah ouais, la cheval Taipan, propre. Paria, Italia RSX. Ah, il nous reste celle-là, la champion à custom. Et là-haut, il y a quoi? Combien il me reste de place, en fait? C'est ça que je veux savoir. Oh, putain, mais j'ai plus de place. La Furia. La Reaper.
Bluestone, mais elles sont déjà tunées celles-là. La Corsita elle est pas tunée. Et la Devastate elle est tunée. Ah ouais, faut que je range un petit peu. Ok, et on va custom la champion. Et la champion apparemment faut la custom dans l'atelier de Franklin je crois. Mais quoique je vais essayer de la tuner ailleurs pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai pas envie de mettre les trucs anti-missile MK2, ça me fatigue. Je vais pas, sinon je vais jouer qu'avec la champion, après ça va être chiant. Alors on va là. Toi, prototype de ouf. C'est dommage, elle irait bien là hein. C'est la Italia RSX, celle-là elle est custom. Là c'est la champion. Voilà, Torero XO, impeccable. Tout ça c'est à custom. Voyons voir un peu la gueule que ça a. Donc là c'est validé. Et là. Là c'est validé aussi. Putain, c'est trop beau mon garage. Je suis fan de ce que je suis en train de faire. C'est trop stylé en fait. C'est trop satisfaisant de créer son propre garage avec tous ces véhicules. Voilà, il y a de quoi faire ici. Non, tu sais quoi, on va faire dans l'ordre. La Grotti Furia. Du vert, ok. Allez, on se casse. Putain, il y a des points bleus partout. Ouais, l'arrière de la Furia, vous aviez raison. Ah, il y a un abonné qui m'a dit l'arrière de la Furia, c'est une tuerie. Wow, comment elle est belle. Ouais, la Furia, je la vois jamais. En plus, personne ne la joue, celle-là. Ouais, il y a déjà un aileron et tout qui il bouge l'aileron. Ah ouais. Trop classe. Avec les bandes lumineuses, là... Incroyable, je te la custom en 2-2 celle-là. Je sais pas quelle couleur on va la faire. Alors, vitre, limousine. Putain, j'en ai marre de répéter ça à chaque fois les potes. Transmission de course. Merde, j'ai mis niveau 3 au niveau 4. Putain, frein à fond. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il y a des motifs? Il y a des motifs. Oh ma parole. Celui-là, il est moche, mais en même temps, il est trop beau. Je sais pas comment le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un... C'est un chef-d'œuvre. Ah bah putain, il s'appelle chef-d'œuvre. Hein. C'est une œuvre d'art le truc. Je vais le mettre parce que je l'ai jamais vu ailleurs ce motif. Les roues toujours à l'épreuve des balles. On va garder les roues là. Ouais, j'aime bien garder les roues d'origine. C'est stylé. Turbo transmission, suspension à fond. Bas de caisse. Celui-là, il est plus stylé. Petite couleur 1. Toi. Alors attends, on va aller dans la peinture tout de suite. Attends, je préfère le mat. Le bleu nocturne, ça lui va bien. Hein. Et en métallisé, qu'est-ce que ça donne? Le bleu, ça lui va bien avec le motif. Hein. Ou en violet? Ah non, ça fait trop sombre. Le bleu nautique? Le bleu racing, il est pas mal. Je mets le bleu racing. Et on va voir en couleur 2. Ah, ça change juste les... On va mettre du bleu diamant. Ça change juste les traits qu'il y a sur le moteur, là. Ok. Couleur finition, on s'en tape. Passive mode kids. Procupec. Hein, le pauvre, il doit essayer de se venger. Rétroviseur couleur 2, ça fait pas mal. Capot. Ouais. Des entrées d'air là, ouais, pas mal. Échappement. Pourquoi tu me tournes la caméra? Ah oui, parce qu'ils sont au-dessus. C'est un trou du cul, quoi. Ok. Oh, c'est stylé, vas-y. Encastré visible. Non, c'est bien moteur. Moustache. Allez, un petit trait bleu diamant, c'est pas mal. Pare-choc. Ouais, j'aime bien. Super couleur 2. Diffuseur GT. Voilà, diffuseur concentré couleur 2. Eh ben, on a été rapide. On est de plus en plus rapide à custom les. Oh, elle est belle. C'est une œuvre d'art, la Furia. Merci à l'abonné qui me l'a conseillé. Oh putain, faut passer à la boîte. Go. Comment elle est belle. Elle va vite en plus. Pourquoi personne la joue celle-là? Comment ça se fait que je l'ai jamais vue? Wow. Un vrai plaisir de la conduire en plus. Bon, l'intérieur, je fais pas trop les intérieurs, je mets pas trop des néons non plus. Parce que les néons, je trouve ça bien, mais parfois je trouve ça too much. Et ça coûte super cher en plus, donc je préfère pas mettre de néons sur toutes mes bagnoles. J'en mettrai sûrement sur des bagnoles underground. Mais celle-là, elle est pas underground, ça c'est un prototype ça. Oh le bâtard. Là, on a 250 000 dollars à récupérer dans la teubois, donc c'est énorme. Un quart de million. Oh, je suis trop content. Allez. Oh le bâtard Bosca qui continue de faire chier Procupec, ça se fait pas. Je vais essayer d'aller l'aider, je vais voir si je peux aller l'aider. C'est un petit farmer, donc on défend que les farmers. Hein. Et à la limite les niveaux 1, si jamais ils sont victimes par 3 mecs de niveau 300, ok, mais voilà. Et ben c'est parfait. Hop, ça nous fait le tuning des performances de la Furia gratuit grâce à ce petit coffre magique. Allez, on sort de là.